À la limite ici des arbres, je ne veux voir personne descendre dans la pente qui tombe sur la plage. On reste à hauteur ici. On ne laisse rien traîner, les papiers et tout. On ne laisse pas ça par terre. On met ça dans son sac ou également on fera passer un sac poubelle ici. Après, on reviendra dans le village et pendant cette marche, on aura l'occasion de voir un peu toute l'histoire du néolithique jusqu'à aujourd'hui de la presqu'île de Saint-Jacques-Cultier. Mon papa, il a fait le trail des Ébiens. On ne fait pas le même parcours. Parce qu'il faudrait traverser à pied et là, on n'a pas la marée pour ça. Donc déjà, on va commencer par traverser le parc de l'abbaye. On reviendra à l'abbaye en fin de parcours. On va aller sur le sentier côtier. Donc il faudra être prudent parce que sur le sentier côtier, il y a un précipice à certains endroits. Donc il ne faut pas trop chahuter, il faut rester bien en groupe. Dans le parc, vous avez la statue de Saint-Jacques. Je vous fais passer par le parc ici parce que vous avez des arbres remarquables. Regardez la taille ici de ces arbres, il est très important. Et puis, au milieu là du petit bosquet, il y a un arbre un peu particulier. Vous allez essayer de savoir ce que c'est. Quand on passera en dessous et puis quand on se mettra au bord de la mer, je vous demanderai ce que c'est. L'arbre qui est juste au milieu du petit bête de petit rond-point du bosquet.
Est-ce que l'un parmi vous sait quel était l'arbre qui était au centre du petit espace paysager? Un papillon? Non. Non, non. C'était un ginkgo biloba. Ah. Alors c'est un arbre qui vient d'Asie. C'est un arbre qu'on trouve au Japon. Et c'est le seul arbre qui a résisté à la bombe d'Hiroshima. Et c'est un arbre qui va prendre la pollution, il va manger la pollution dans les villes. C'est pour ça qu'on... Et très tôt ce matin, le soleil s'est levé et a commencé à chauffer. Cette brume, ça s'est évaporé parce que la terre était chaude avec le soleil des jours précédents. Et cette évaporation, elle est bloquée par l'anticyclone et par le fait qu'il n'y ait pas de mouvement d'air, il n'y ait pas de vent. Donc cette brume, elle va se lever progressivement. Au fur et à mesure de la journée, on aura une très belle journée. Mais si vous allez plus dans les terres, vers Saint-Malgrand par exemple, ben là vous avez sûrement un peu plus de brouillard ce matin. Et ça mettra un petit peu plus de temps pour se dissiper. Alors quelque chose qui va aussi nous aider à dissiper cette brume ici à Saint-Jacques, c'est la marée. Il faut savoir qu'ici, c'est toute la baie du Mont-Saint-Michel, c'est les plus grandes marées d'Europe. Donc la marée, elle est très importante pour changer le climat. C'est elle qui va faire rentrer les dépressions, donc les périodes de pluie, et les évacuer aussi. Alors les plus grandes marées d'Europe, vous avez peut-être lu, avec le réchauffement climatique, le niveau des océans va monter d'un ou deux mètres et ça sera une catastrophe pour certains pays. On va parler par exemple d'un pays d'Asie qui s'appelle le Bangladesh. Et ben, au Bangladesh, si la mer elle monte de 2 mètres, 80% du pays est sous les eaux. Nous ici, la différence en grande marée, elle est de 14 mètres. Donc c'est très important. Parce que l'eau, elle est à entre 15 et 17 km de distance. Donc c'est très important. Et après, la marée, ça bouge tous les jours. C'est la lune. Et en fait, avec cette plante, vous savez que pour créer un légume, il faut faire des croisements, il faut essayer de... Il y a des scientifiques qui y travaillent. Et cette plante, elle a servi à créer deux légumes que vous connaissez. La betterave. La betterave, ils ont fait grossir quoi? Les feuilles ou la racine? La racine. Et l'autre, c'est quoi après? L'autre plante, il y a le même... Bête maritime. Betterave. Ou blette maritime. Lève-toi, Lisa. Avant Saint-Jacques, c'était une île qui prenait tout ça. Et l'abbaye était sur l'île. C'est l'île principale de cet archipel. Les Ébiens. Alors Ébiens, c'est aussi un nom qui vient du Celte. Ça se traduit Enes Bihan. La petite île, même si c'est la plus grande, c'est comme ça. Ce frais de crevettes, il servait en même temps, elles essayaient d'attraper des coquillages comme des coques ou des palourdes, qui servaient d'alimentation. Après, elles allaient s'occuper des enfants, s'occuper aussi du potager, et les enfants souvent s'occupaient de garder les bêtes qui étaient dans toutes les prairies qu'il y avait sur la presqu'île. Et les hommes, eux, bah, pendant que les femmes, elles, s'occupaient sur la presqu'île, bah, ils se servaient justement de ce frais de crevettes pour aller pêcher soit en bateau le maquereau, qu'on appelle aussi le maquereau, des gros poissons pêchés ici, soit dans des pêcheries. Est-ce que vous savez ce que c'est les pêcheries? Donc il y avait deux types de pêcheries. Donc les pêcheries, c'est quoi? C'est un endroit où on va pêcher plus facilement. Bon, là, vous avez des petits... Il y a le commerce qui est le plus sur la Grand-Rue. Et puis derrière, les habitations des maisons de pêcheurs. Elles sont ouvertes au sud pour avoir le chauffage naturel. Et le chauffage naturel, c'est quoi? C'est le soleil. Voilà. Elles sont, on dit aveugle au nord, c'est-à-dire il n'y a pas d'ouverture. Comme ça, elles sont bien protégées des vents. Donc sur la façade, on fait sécher les poissons, les filets. Bonjour.